Hortensia, non. Madame, qu'est-ce que tu fais? C'est normal. Laisse ça, s'il te plaît, allez. J'ai apporté de l'eau fraîche à tout le monde parce qu'il fait chaud et qu'ils ont travaillé dur toute la journée. En plus, vous savez quoi? J'ai mis plus de carafes là-bas et j'ai apporté des sandwichs. Vous leur donnerez, hein? Non, reste là, s'il te plaît. Tu es là comme invité, tu n'es pas là pour travailler, alors laisse tout ça. Les garçons, arrêtez-vous un instant et venez boire un verre. Regardez tout ce que Hortensia a préparé. Assieds-toi. Comment ça, je m'assieds? Tu vas t'asseoir. Pendant que tu es là, je veux vraiment que tu te reposes et que tu profites de ce beau paysage. À moins que tu estimes qu'ils aient besoin d'aide pour arranger ces branches. Non. À partir de maintenant et jusqu'à la fin du mariage, tu ne bouges plus, d'accord? D'accord. Je vais te chercher à manger. Merci. De rien. J'ai trouvé un appartement à Brooklyn, il est vraiment pas cher. Avec deux colocataires, dont une vraiment jolie. Si je pouvais, moi, je ferais mes études en Espagne. Je préfère les Espagnols aux Américains. Tu vas vivre dans quelle partie de Brooklyn? À Williamsburg. C'est un quartier très sympa, plein d'artistes. Mais bon, arrêtons de parler de mon voyage, il y a des sujets plus importants aujourd'hui. Santé aux futurs mariés. Ah non, tu vas pas commencer à porter des toasts. Ah, totalement d'accord. C'est de très mauvais goût de faire des discours. Ça commence avec un verre de vin et ça finit en vomissant dans le jardin. C'est ça que tu veux, Francisco? Que ta mère se marie pompette? Tati, c'est juste un toast. À Gaston. Avec le temps, tu es devenu un vrai membre de la famille et tu es génial avec nous. Merci. Il a été vraiment super. Santé. J'ai du mal à réaliser que tu t'en vas demain après le mariage. Je t'avais promis un diplôme et tu l'as. Je suis devenu architecte. Maintenant, à moi de faire ce que j'ai toujours voulu. Des études incroyables. Francisco, tu viens au bar? Oui. Mais d'abord, toi, tu fais la vaisselle. Et pourquoi moi? Tu me sers un verre de vin, chérie? Vous m'excuserez, je vais me coucher avant que vous n'ouvriez une autre bouteille. Tu pars déjà? C'est que ta tante n'aime pas les voir continuer à boire. Comme si on y pouvait quelque chose, c'est une ancienne alcoolique. Santé. Mon chéri, être peintre, ce n'est pas un métier. Regarde ton père. Il est complètement fauché. Mon père n'est pas peintre. C'est un feignant. Francisco, si j'ai décidé d'épouser Gaston, c'est parce que je veux vous offrir à Barbara et à toi un meilleur père que le vôtre. Oh, Gaston va me tuer s'il apprend que je fume toujours. Il y a très longtemps, moi aussi, j'adorais dessiner. Toi? Mm-hmm. Et ils sont où tes dessins? Perdus, dans le passé. Tu les as jetés? Allez, il va falloir dormir. Demain, une longue journée nous attend. Maman, prends bien soin de Gaston. Tu as l'air heureuse avec lui. C'est la meilleure chose qui te soit arrivée depuis longtemps. Allô? À quelle heure tu arrives? Sois ponctuel.
Je t'aime, maman. Moi aussi, mon amour. Et voilà, monsieur. Merci, Hortensia. De rien. Bonjour, Hortensia. Bonjour, mon grand. Ça va? Non, mais c'est pas vrai, mon grand. Pourquoi tu es tout débraillé comme ça? Non, non, non. Tu vas te mettre un pull avant d'attraper la mort. Ce ne serait pas malin de tomber malade juste avant le mariage. Ça va. Il fait pas si froid. Bien dormi? Comment vont les nerfs? Les nerfs? Non, ça va. Juste un peu stressé. Et la mariée? Elle dort encore? Selon toi? Elle est allée nager? Nager dans un lac aussi froid. Elle va rentrer gelée de la tête aux pieds. Elle m'avait promis qu'elle n'irait pas. Qu'elle allait se charger des derniers détails du mariage, mais tu vois, elle n'est pas là. Comprends-la. C'est quelque chose qui la détend. Le corps de Marissa Fernandez, bien connu de tous à Valle de Bravo. C'est qui ça? A été retrouvée une femme qui a été tuée dans un village, pas loin d'ici. Ils disent que c'était la sœur d'un policier du coin. Merci. Et toi? Pourquoi t'es pas revenue au bar hier soir? J'avais un truc plus important à faire. Bon, je vais voir si le banquet du traiteur est arrivé. Oh non, ils disent qu'apparemment elle a été tuée par vengeance. Oh, c'est quoi cette histoire? Elle était trop jeune pour moi. Et on en a marre. Pousse la télécommande, je peux pas poser ton assiette. Maman, baisse, s'il te plaît. Alors on peut plus sortir la dans la rue, c'est ça? Non, ils aidaient toujours non, ma fille non, à étudier. Mais regardez-moi ce beau tableau. La famille en pyjama à 11h37 du matin. Ça va? Qu'est-ce qui se passe encore ici? Ben, je baisse parce qu'elle a mal à la tête. Ah, pardon. Les petits jeunes ont encore trop fait la fête. Allez, va te doucher, s'il te plaît. Ah, et rase-toi surtout. Tu piques trop aujourd'hui, je trouve. Et papa? Oui, mon bébé? Dis-moi, t'as pas mal à la tête, toi? Non, ma grande. J'étais à une réunion de travail. Je n'ai pas bu, moi. De travail? À 9h du soir? À 9h du soir. Il y a un client qui m'a demandé un réaménagement de sa maison. Il y a un problème? Client ou cliente? Garde tes commentaires, André. Au fait, je voulais te demander. T'es rentré à quelle heure, papa? Après minuit. Non, après 3h. Mais tu as sûrement réussi à conclure un marché. Oui, bien sûr. Il y a des serviettes? Oui, je te les ai tendues, elles sont sèches. Dépêche-toi, s'il te plaît. Dépêchez-vous tous, d'ailleurs. Hey, il faut partir dans 3 heures. On n'a pas beaucoup de temps. Finis ton assiette. Je préfère rester ici, je peux? Non, je suis désolée, mais on va tous au mariage. Oh, André, tu as encore des plumes sur la tête. C'est pas vrai, quel désastre. Merci. Qu'est-ce que tu faisais dans la cabane? Je vérifiais qu'il n'y ait pas de clous ni rien qui traîne. Je ne voudrais surtout pas que Marco se fasse mal. Elle t'a appelé? Tu as appelé son amie de la boutique? Oui, Selena. Personne ne sait rien.
Dans tous les cas, tu as toujours su avec qui tu te mariais. La ponctualité n'a jamais été son point fort, tu le sais bien. Mais cette fois, je m'inquiète plus que d'habitude. Elle va bien finir par rentrer. Oui, Elena. Quoi qu'il arrive, tu m'appelles. Oui. Oui, on se voit plus tard. Excusez-moi. J'ai préparé les affaires de madame pour qu'il n'y ait aucun problème au moment de l'habiller. Et il y a le monsieur qui va coiffer madame et je suppose vous toutes aussi, qui vient d'arriver. Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu peux lui dire, Hortensia? Que ma sœur est une idiote? Attendez. Elle n'a pas changé d'avis quand même. Tu sais bien qu'avec Olivia, on peut s'attendre à absolument n'importe quoi. Non. Non, non, ça se voit que Gaston est un homme bien. Oh, quel temps magnifique. Et alors, j'ai tu pas as envie vu de les dire. Autres j'ai pas envie Dis donc, de tu peux regarder quand je te parle. J'ai parlé avec ton père pour voir s'il savait quelque chose. Il s'inquiète et il voulait venir. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Évidemment que c'est pas nécessaire. Il viendrait. Pourquoi faire? Francisco, je sais que ta mère n'est pas douée niveau ponctualité, mais là quand même, c'est bizarre. Je lui ai pourtant toujours dit que ce lac était maudit. Qu'il avalait les gens. Maman, ne fais pas de blagues sur ça. Ma chérie, je ne plaisante pas. Il y a beaucoup d'histoires qui le prouvent. Parfait. De rien. Ça va, Gaston? Oui, oui, tu sais comment sont les femmes, hein? Elles arrivent en retard, même à leur mariage, t'en fais pas. Où est mon petit-fils? Il aime bien traîner partout. Il devrait apparaître à tout moment. Christina, quel plaisir de vous Bonjour, voir. Bonjour, Bertha chérie. On se revoit oui, tout sûr. À l'heure, d'accord? Ah, félicitations, mon amour. Merci. Je te souhaite le meilleur. Figure-toi que je suis rentrée dans la maison pour voir la mariée, mais qu'ils ne m'ont pas laissée. C'est cette Joanna. Elle est de pire en pire. Monsieur de la Borbola. Quel plaisir! Quelle joie! T'es déjà en train de boire? Il est 3 heures passées. Oui, mais avant, tu commençais pas si tôt. Avant, j'avais un travail. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue passer le week-end avec toi. Et pourquoi? Papa. Je me sens mal pour ce qui est arrivé à Tati. Mais chez nous, on n'est pas du genre à s'effondrer. Tu peux pas t'en vouloir et te laisser aller à cause de tout ça. Tu ne sais rien. Tu peux pas passer ton temps à boire et culpabiliser pour tout. On doit enquêter sur ce qui est arrivé à ma tante. Tu crois qu'on devrait reporter la cérémonie? Gaston, si ma mère n'est pas là, il s'est passé quelque chose. Oui, bien sûr. Tu sais ce qui lui est arrivé? Elle a regretté de m'épouser, voilà ce qui se passe, c'est simple. Et au lieu de venir me parler en adulte, elle a fait les choses en grand, comme elle sait si bien le faire. Et Olivia? Elle m'a planté, maman. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne dis pas ça. Il a dû se passer quelque chose. Occupez-vous de tout. Je ne comprends pas. Il faut le dire aux invités. Quand on aura des infos, je te préviens, Willy. Dites à Olivia de m'appeler, s'il vous plaît. Barbara a dit que maman avait disparu à cause de toi.
Et pourquoi ce serait sa faute? Je t'accompagne, Willy. Par ici, s'il te plaît. Sortez, laissez-moi seul. Gaston, je crois que tu devrais... Je vous ai dit de sortir d'ici. On y va. Je vous présente toutes mes excuses et on vous préviendra quand on en saura plus. Merci à tous pour votre présence et votre temps. Mille excuses. C'est une blague, hein? C'est pas possible. On est là, Christina. Merci pour tout. Merci, Bertha. Je suis vraiment désolée. On est là pour quoi que ce soit, d'accord? J'espère que lorsque Olivia reviendra, elle aura une bonne explication. Qu'elle s'est fait enlever. Oh, j'espère que non. Mais au moins, ils m'ont écoutée. Ils sont allés voir la police. À leur place, je ferai le tour de tous les hôpitaux. Oh, maman, quelle horreur. Tu crois vraiment qu'Olivia est moche? Ne parle pas si fort. Je ne sais pas si la petite est là. Pauvre Gaston. J'aurais peut-être dû rester un peu avec lui. Non, José, Johanna vient de me dire de ne pas aller les déranger. Ça va aller, c'est sûr. Cette femme est tellement aigrie. Et Dieu seul sait pourquoi. Je connais Olivia depuis des années. On travaille ensemble depuis l'université, ma chérie. Je la connais mieux que quiconque. Papa, si tu veux y aller, moi, je t'accompagne. Je suis sûre que Barbara a besoin de moi, et Francisco aussi, non, d'ailleurs. Non, 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 ne dis pas n'importe quoi. Personne ne va bouger d'ici, encore moins maintenant. Tu imagines la honte qu'a dû ressentir Gaston, c'est horrible. Maman c'est... Quoi? Francisco et Barbara sont nos amis depuis qu'on est tout petit. André, j'ai dit non et point final, personne n'y va. En effet... C'est vraiment très bizarre d'avoir trouvé le portable au bord du lac. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que quelqu'un veuille y nager, non? Selon moi, votre mère n'avait pas toute sa tête. Elle aimait nager. Elle était douée. Une experte. Mais le lac, c'est le lac. Dans tous les cas, revenez dans 24 heures. On ne peut rien faire avant. Je suis vraiment désolé. Son téléphone était par terre. Ses vêtements, non. Vous trouvez normal que quelqu'un qui va se marier disparaisse de cette manière? Si jamais ma mère a été kidnappée, le temps ne joue pas en sa faveur. Si quelqu'un l'a enlevé, il vous appellera. Et s'il le fait, alors vous me prévenez. Ça vous convient? Fuentes. J'ai laissé les clés sur le bureau. Ok. Tu sais que tu es ici chez toi le jour où tu voudras revenir. Ce ne sera pas le cas. Mais je reviendrai faire un tour. Si elle s'est fait enlever, ils ne tarderont pas à appeler. Et si c'était pas le cas? Si elle avait eu un accident, qu'elle s'était noyée? Si c'est ce qui s'est passé, y a rien à faire. Est-ce que tu vas finir par me raconter ce qui s'est réellement passé? Que veux-tu que je te dise, Bertha? Eh bien, si tu sais quelque chose, dis-le, je ne sais pas. Par exemple, pourquoi Olivia a planté Gaston? Je suis sûre que tu sais. Non, je ne sais rien. Et je ne crois pas non plus qu'Olivia ait laissé tomber Gaston. Ce n'est pas le type de femme qui ait besoin de faire ce genre de scène. Oh, bien sûr que non. Olivia est le genre de personne qui a besoin que tout tourne autour d'elle, d'avoir absolument toute l'attention et surtout celle des hommes. Peut-être oui, peut-être, mais pas de cette manière. J'en sais rien, je me disais qu'à toi, elle t'aurait peut-être dit quelque chose que vous auriez discuté parce qu'elle regrettait. Tu sais, hier, tu étais tellement pressée... J'ai pensé que tu étais allé la voir. Tu veux que je t'explique où je suis allé, hein? Tellement pressé. Une cliente m'a demandé de créer une extension pour sa maison. J'y suis allé pour lui donner des plans. Nous avons demandé aux invités de rester discrets et ils ont promis. Espérons maintenant que la presse ne soit pas déjà au courant.
Je suis sûr que ces imbéciles sont déjà en train de lancer des rumeurs de tous les côtés. Les chiens aboient, la caravane passe, Gaston. Tu as des choses bien plus importantes desquelles t'occuper. Chérie, tu m'apportes un autre verre de vin, s'il te plaît? Maman, Selena a déjà suffisamment de travail. Pourquoi tu n'irais pas te le chercher toi-même? J'y vais. Antonio. Alors, Olivia a fini par téléphoner? Des nouvelles concernant la fiancée fugitive? Marco, va dans ta chambre. Viens, mon grand. Je vais te faire des pancakes et ensuite, on pourra regarder un film. Pourquoi tu n'irais pas embêter quelqu'un d'autre, hein? Papa? Hé, ma chérie. Quand on en saura plus, on te le dira. En attendant, on voudrait être tranquille, Antonio. Je pourrais peut-être vous aider. Bonne idée. Si tu veux aider, tu peux prier avec Hortensia. On prie pour les morts, Gaston. Et Olivia est vivante. Vous savez quelque chose? Mais enfin, il ne faut franchement pas être très intelligent pour en déduire que la fiancée ne voulait peut-être plus se marier. Qu'est-ce que ça peut être d'autre, hein? Voyons. Ma date d'anniversaire. Voilà, viens! Viens, viens avec maman! Viens, n'aie pas peur de l'eau. Elle est froide? Voilà, bravo! Elle est froide! Voilà, n'aie pas peur. Tu veux nager un peu? Vas-y, non, regarde, non, tu vas flotter. Non. Écoute, je vais te raconter quelque chose. Oui, il fait froid. Mais tu sais quoi? Le froid passe. Si tu contrôles ta peur de l'eau, le froid passe. Parce que le froid et la peur sont semblables. Donc tu dois seulement nager, bouger. Bouge, voilà. Très bien. Voilà, tu bouges. Bouge, voilà, nage. Et la chaleur t'envahit. Voilà, c'est bien. Il faut toujours bouger dans l'eau. Bravo, c'est bien. Encore, oui. Regarde, tu nages. Tu avances. Il faudrait que j'aie accès à plus de documents. Fuentes voudrait bien me donner des infos officielles? Tu devrais te concentrer sur autre chose. Tu es intelligente. Tu sais bien que... c'est plus comme avant avec la police. Et ce pays n'a pas de justice. Si je suis là, c'est pour toi, papa. Tu m'as appris qu'on pouvait faire la différence. C'est pour ça que ça me fait du mal que t'aies tout laissé comme ça à cause de cette histoire. J'espère que tu finiras par le comprendre. Tu vas laisser tomber l'assassin de ma tante? Moi, non. Et j'espère que... Quoi? Papa? Il y a quelque chose dans le lac, ça bouge, viens! Qu'est-ce qu'il y a? Il se débat? Attends, je crois qu'il y a quelqu'un qui se noie. Je suis là. Résiste. Résiste, maman. Papa! Attends! Qu'est-ce que tu fais, papa? Attends, tu as bu, qu'est-ce que tu fais? Non, tu ne peux pas y aller! Papa, s'il te plaît, tu as bu, tu ne peux pas y aller maintenant, ce serait de la folie! Papa! Ça va pas, reviens! Si tu es fatigué, flotte et attends. Quelqu'un viendra te chercher. Tu ne dois jamais désespérer. Aide-moi. Couvre-le. Couvre-lui la poitrine. Réchauffe-le. Il respire? Oui. Couvre-le. Papa,
Sors de là, t'es gelé. Ça va. Couvre-le, dépêche-toi. Mets-lui ton blouson. Son téléphone était au bord du lac. Si je connaissais le code pour le débloquer, je pourrais savoir ce qui s'est passé. Mais tu dis que tu n'as trouvé ni vêtements ni serviettes. Comment ta mère est allée nager? Qu'est-ce qu'elle portait? Presque rien. Un t-shirt, un peignoir de bain, des sandales et rien d'autre. Tu sais, elle a toujours aimé le froid. Et on habitait à quelques mètres du lac. Elle rentrait toujours mouillée à la maison. Mais cette fois, elle avait son portable. Tu es vraiment dans la police? Eh bien, j'étudie pour devenir détective. Très bien. Ça m'a beaucoup étonné. Quand ma mère sort nager, elle ne prend rien avec elle. Elle est peut-être sortie faire autre chose. Elle avait son sac? Marcella, pourquoi tu ne laisses pas le commissaire faire son travail et laisse le jeune homme rentrer chez lui? Parce que le commissaire de police préfère rester les bras croisés à attendre que le pire se produise, plutôt que de chercher ma mère. Et tu veux quoi? Que tout le village plonge dans ses eaux gelées pour chercher ta mère et risque leur vie bêtement? Je savais pas quoi faire. Je me suis senti inutile et j'ai pensé qu'elle était peut-être là à attendre, tout simplement. Que l'on vienne la sauver. Personne ne supporte ces températures, sans tomber en hypothermie. Je sais. Merci pour tout. Mais je crois qu'il vaut mieux que j'y aille. Au cas où ma mère appellerait. Ce n'est ni un hôtel, ni un centre commercial. C'est ma maison, et je ne veux la détruire sous aucun prétexte. Tu m'entends, Gaston? Mes enfants ont grandi dans cette maison. C'est moi qui l'ai construite. Et c'est ici que je veux me marier. Que tu veux quoi? Marions-nous. Je veux devenir ta femme. Mais quel gaspillage! Toute cette bonne nourriture à jeter. Mais Olivia est capricieuse. Elle l'a toujours été. Toi aussi, tu penses que ta sœur a regretté de se marier avec moi? Oui, sans aucun doute. Je sais pas ce qui me fait le plus mal. Imaginer qu'elle a eu un accident ou... devoir assumer que... qu'elle m'ait planté. C'est quoi le pire? Tu crois vraiment qu'Olivia a regretté son choix? Bien sûr. Un mari comme moi n'est pas facile à remplacer. En fait, elle s'est tout simplement rendue compte que Gaston était très ennuyeux. Olivia a toujours été un esprit libre. Antonio, à mon avis, Olivia t'a oublié depuis bien longtemps. Et toi? Tu m'as déjà oublié? Il n'y a rien eu entre nous. Tu ne vas pas nier qu'on s'est bien amusés tous les deux. Je n'arrive vraiment pas à croire que tu es ton ex-femme qui a disparu. Des enfants perturbés, et que toi, tu tentes malgré tout de me séduire? Sérieusement? Je connais Olivia mieux que quiconque, Selena. Et je sais bien qu'elle est vivante. Et mieux que jamais, loin de cet idiot. Gaston, où est Marco? Il attend sa mère. Hortensia a pris. Ta sœur est à une fête. Et Olivia est sûrement... en train de mourir de rire. Ah, et ton père est venu. Avec une expression triomphante sur son visage d'imbécile. Arrête de boire comme ça si tu veux la retrouver. Je veux pas la voir. Je veux rien. Et si toi, tu la vois, dis-lui qu'elle ne daigne même pas remettre les pieds ici. Tu crois que je sais où elle est? Évidemment. Vous étiez complices. Ah ça, oui, hein. Hein? Elle te racontait pas tout? Elle ne s'est pas enfuie. Je l'ai déjà demandé en mariage 3 fois. Elle a toujours refusé. Et maintenant qu'elle me le propose, elle s'en va? Ma mère était heureuse. Elle avait organisé chaque détail. Tu sais parfaitement qu'elle est... Je sais rien! Je ne sais rien du tout. Mais en réalité, jamais. Je n'ai vraiment connu Olivia. Toi, si? Tu savais ce qui lui passait par la tête? Hein? Tu ne peux pas douter d'elle. Encore moins que les autres. J'en doute. Parce qu'on pouvait jamais savoir ce qu'elle pensait ou ce qu'elle voulait. Moi, je le sais.
Elle n'est pas du genre à partir comme ça. Ah non? Non. Eh bien, demande à ton père s'il se doutait qu'elle allait le quitter quand elle s'est mise avec moi. Je vais voir Marco. La mort de ma tante, la disparition d'Olivia, deux femmes qui fréquentaient la zone. Caractéristiques similaires et le même âge. Et alors? Il y a des psychopathes. Des gens qui choisissent leurs victimes en fonction de caractéristiques et les tuent les unes après les autres pour jouer avec la police. Ils ont tué ta tante pour se venger de moi. Et Olivia Zamora, on ne sait même pas si elle est morte. Ok, tu dis qu'ils ont tué ma tante à cause de toi. Mais moi je dis qu'il y a un tueur dans la nature. Et que tôt ou tard, Francisco va retrouver le corps de sa mère dépecé. T'as donné de la drogue à Barbara ? On va quadriller le secteur nord du lac. Le secteur nord. Mesdames, messieurs, nous avons décidé de débuter les recherches. Vous avez trouvé quelque chose ? Vous reconnaissez ceci? C'est le maillot de bain de ma mère. Il est possible qu'elle ait eu un accident. Votre mère était-elle déprimée? Elle prenait des antidépresseurs ou autre chose? Au contraire. Elle était heureuse de se marier. Son sac était là. Et ses clés aussi se trouvaient là. Alors, comment ça avance? T'étais où? Qu'est-ce que t'as? T'es ma mère maintenant ou quoi? Et pourquoi la police est là? Francisco, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il est possible que... qu'Olivia soit décédée, Barbara. Ce n'est pas sûr. Ils ont trouvé son maillot de bain dans le lac. Les températures sont basses. Ils n'ont pas encore trouvé de corps, donc il ne faut pas perdre espoir. Elle est morte parce que c'est moi qui l'ai tuée. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin, Barbara? C'est moi qui l'ai tuée avec Gaston. Barbara, s'il te plaît, je t'en prie. Quoi? La police est déjà là, non? On n'a qu'à leur avouer la vérité, on leur épargnera le travail. C'est ce pauvre type et moi qui avons tué ma mère. Tu es sûr que ça enregistre toute la journée? Oui. Et ce sont les seules entrées et sorties de la maison? Oui, mademoiselle. Je travaille avec la famille. En fait, ça c'est ma chambre depuis qu'on est arrivé à Valais. C'est moi qui me charge de la sécurité. Je dois voir comment était habillée Olivia Zamora quand elle a disparu. Mais je la vois nulle part. Voyons. Avançons un peu. Ah, attends, là. C'est qui, elle? Ah, ça c'est Hortensia. C'est la seule personne qui est sortie. Elle est allée ouvrir à ses enfants qui vivent dans le village. Ah, si vous voulez pas me croire, c'est votre problème. Moi, j'essaye seulement d'aider la police. En inventant n'importe quoi? Tu veux finir en prison? J'aimerais bien que ce soit n'importe quoi. Et je suis bien désolée si ça vous embête. Maman s'est suicidée à cause de moi parce qu'après que tu sois partie au bar, elle nous a découvert, Gaston et moi, en train de parler. Parler de quoi? Tu peux me passer le liquide vaisselle juste là, s'il te plaît? Alors comme ça, à partir de demain, je devrais t'appeler papa. On ne va pas se quitter. Demain, tu seras mariée avec ma mère et notre histoire sera terminée. Je l'ai vue clairement. Elle nous regardait depuis la porte. Il est temps que tu tournes la page. Tu m'as toujours désiré, Gaston. Parfois, je voudrais juste que ma mère disparaisse pour t'avoir pour moi toute seule. Je voudrais que tu disparaisses. Demain, je vais épouser ta mère. On mérite bien une dernière nuit. Il faut se dire adieu en bonne et due forme, non? C'est la tristesse qui te fait dire ça.
Gaston ne serait pas capable d'une chose pareille. Et toi non plus. C'est bon. Me regarde pas comme ça. Comme si j'étais pire qu'elle. Si elle avait eu l'occasion de draguer un de mes copains, elle l'aurait sûrement déjà fait. Elle a disparu. Il faut que tu arrêtes d'être autant en colère contre elle. Elle m'a jamais considérée comme sa fille. Et moi, il faudrait que je la respecte en tant que mère. Allez. Je sais que tu te sens mal. Et moi aussi, je suis dévastée. Mais ne raconte pas d'histoire, et encore moins devant la police. Attends, tu veux que je mente sur ce qui s'est réellement passé? C'est ça que tu veux? Attends, à qui tu veux éviter la prison? À moi ou à Gaston? Je suis ravie que tu aimes Gaston comme un père. Mais moi, je le considère comme un amant. Pourquoi ils disent qu'elle est partie nager le matin? Alors qu'apparemment, c'était la nuit. Eh bien, Gaston m'a dit que madame y était allée trop tôt. Par une fenêtre, je crois. Pourquoi serait-elle sortie par une fenêtre si personne d'autre n'allait nager? Pour s'échapper. C'est qui, elle? Elle, c'est Johanna. C'est la sœur d'Olivia. Johanna Zamora. Il était quelle heure? Il était déjà plus de minuit. Donc si vous étiez l'amant de la jeune fille, pourquoi vouliez-vous épouser la mère? Vous aviez un contrat de mariage? J'ai déjà dit que je n'étais l'amant de personne. Ma belle-fille est sous le choc. Dites donc, excusez-moi, vous n'avez aucun respect pour les objets personnels de ma sœur, commissaire? Non, madame. Pas si on veut savoir ce qu'il s'est passé. Quel âge a votre belle-fille? Elle est majeure. Donc même si ces mensonges étaient vrais, ce ne serait pas un délit. Ça suffit. Plutôt que de chercher dans la maison, où il est évident qu'Olivia ne se trouve pas, vous devriez chercher dans le lac. Il y a déjà quelqu'un là-bas. On n'écarte aucune piste. Qu'est-ce que tu as trouvé, Thomas? Je vais prendre ça. Je vous le rendrai quand je n'en aurai plus besoin. Prenez ce que vous voulez, mais faites vite. J'ai ici un petit garçon qui est très triste et je voudrais terminer tout cela rapidement. Sur les caméras de surveillance, on ne voit jamais Olivia ni entrer ni sortir. Ni de jour, ni de nuit. Et vous croyez qu'elle est cachée dans un placard? Nous allons devoir emmener Monsieur Andrade pour l'interroger. Tu ne l'emmènes nulle part, Fernandez. C'est moi qui suis en charge de cette affaire. Oui, mais Olivia n'est sortie par aucune des deux portes de la maison. Barbara a dit que... Ma sœur n'est pas là, ok? Ma sœur n'est pas ici, elle est ailleurs. En train de bien rigoler, à l'idée qu'un officier de police est en train de la chercher. Enfin, mademoiselle. J'ose espérer que vous n'allez pas croire le tissu de mensonges que peut raconter une enfant triste qui vient de perdre sa mère. Dites-moi. Bien sûr que si, monsieur. Je vous jure que si j'étais chargée de l'enquête, vous seriez déjà au commissariat, afin d'éclaircir quelques points. Oui, mais ce n'est pas le cas, Fernandez. Il ne s'est jamais rien passé avec ta sœur. Il dit qu'elle est amoureuse de toi, et que vous êtes amant. Je me contrefiche de ce que dit ta sœur. Tout ce qui m'inquiète pour le moment, c'est le maillot qu'ils ont trouvé. Tu sais ce que ça veut dire? Tu es préparé à ça. Allô? Tu es bien le fils d'Olivia? Oui. Qui est à l'appareil? Mon nom n'a aucune importance. Rendez-vous dans 2 heures. Pour le bien de ta mère. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? Je peux parler maintenant. Vous voulez quoi? De l'argent? Note l'adresse que je vais te donner. Morte, ta mère te sera aussi inutile qu'à moi. Mais je suis actuellement à Mexico, Je suis pas à 2 heures, je suis à... Je sais où tu es. Et je ne suis pas loin de toi. La vérité, c'est que je ne peux pas sortir. Eh bien, tu vas devoir. Et surtout, ne dis rien à personne.
C'est que je... Chemin de l'automne. Numéro 22. Promettez-moi que vous ne ferez aucun mal à ma mère. Ça, ça dépend de toi. S'il te plaît, maman, tu crois qu'Olivia est enfermée dans un placard ? Mais personne ne l'a vue sortir. Marco m'a dit qu'Olivia lui avait fait un bisou avant de dormir. Une femme de 68 ans n'a aucune raison de croire ce que raconte un gamin de 8 ans, qui ne comprend même pas ce qui est arrivé à sa mère. Je sors, je reviens. Francisco, où tu vas ? Qui t'a appelé ? L'université de New York. Ils ont besoin d'informations et savoir quand j'arrive. Ils appellent souvent le dimanche ? Tu sais comment sont les Américains. À plus tard. J'adore ce garçon. Je l'aime vraiment bien. Si seulement sa sœur était comme lui. Direct dans 5 secondes. Ce qu'a dit Barbara, c'est absolument faux, Gaston, pas vrai ? Tu sais que tu peux me faire confiance. Parce que je te pardonne tout. Tout. Où est Francisco ? Il vient de sortir. Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a, Selena ? Regardez ça. L'information a été donnée ce matin. La femme prénommée Olivia Zamora a disparu le jour de son mariage avec le chef d'entreprise, Gaston Andrade. Monsieur, s'il vous plaît, une question. S'il vous plaît, une question. Pensez-vous que la mort d'Olivia soit liée à la mort de Marcia Fernandez ? Selon vous, qui est l'assassin d'Olivia Zamora ? Rien ne confirme que ma mère a été assassinée. Laissez-moi. Il y a une hypothèse de tueur en série. Arrêtez de raconter n'importe quoi et veuillez nous respecter. Les sources informent que le très respecté entrepreneur immobilier a littéralement été planté par sa fiancée. C'est pas possible. Ces imbéciles ne vont donc jamais se taire. Je veux que tu vérifies tout sur ce policier. Il se sert de ça pour devenir célèbre. Il vaut mieux que vous ne fassiez aucune déclaration. Et Barbara, encore moins que vous autres. Tu vas m'attacher ? Quoi ? Vous avez peur que je raconte aux journalistes pourquoi ma mère est morte ? Nous savons que la police soupçonne un lien entre la mort de Marcia Fernandez et Olivia Zamora pour s'être déroulée dans des circonstances similaires. Tous deux ont disparu à quelques kilomètres de distance. Il pourrait s'agir du même assassin. Tu as vu les actualités ? Très bien ! À quel moment avons-nous commencé à nous éloigner autant, ma chérie ? T'as l'intention de m'éviter toute la journée ? Tant que tu raconteras n'importe quoi à tout le monde, oui. Qu'est-ce que tu as dans le crâne, hein ? Sérieux, tu t'es pas rendu compte que ma mère nous a vus ? Ta mère n'a rien vu parce qu'il ne s'est rien passé. Est-ce que tu veux que la police m'arrête ? C'est ce que tu veux ? Allons, mais de quoi t'as peur ? Que les gens réalisent qu'elle et toi n'étiez pas si heureux que tout le monde le pensait ? Ou... qu'ils se rendent compte de tes menaces ? Laisse-moi, je n'ai pas peur de toi, morveuse. Et si tu veux me voir derrière les barreaux, tu vas devoir attendre. Je ne veux pas que t'ailles en prison, et moi aussi je veux rester ici. Mais bon, maintenant que ma mère est morte, je dois t'avouer que je t'aime. D'un amour inconditionnel. Lâche-moi. C'est possible que ma mère en ait eu marre de ta jalousie maladive et qu'elle m'ait laissé la voie libre. Ou peut-être qu'elle a voulu que j'arrête de taire ce secret qui me torture depuis 3 ans et qui me fait me sentir tellement coupable. Coupable de quoi ? Jamais ça ne t'a gêné de faire du mal à Olivia. Bien sûr que ça me gênait. Et j'ai essayé de te sortir de ma tête 1000 fois, mais j'y arrive pas. Tout ce que tu voulais, c'était avoir le dessus sur elle.
Rien de plus. Non, Gaston. J'ai essayé de sortir avec des gens de mon âge. Et tu sais que j'ai beaucoup de succès, mais j'y arrive pas. C'est toi que je veux. Je peux pas continuer à écouter ça. Si c'était moi, je ne t'aurais jamais abandonné. Peu importe qu'elle soit vivante ou morte, proche ou loin, ce que je ressens pour toi ne s'éteint pas. Ça suffit. Je ne veux plus jamais entendre parler de cette histoire. Barbara, c'est encore moi. Écoute, rappelle-moi, ok? Hier soir, c'était vraiment génial et j'aimerais te revoir avant que tu partes. Ah, José, je te jure que ça me fait culpabiliser de partir de la maison et de laisser Gaston et les enfants tout seuls ici. Gina, dépêche-toi. Moi aussi, je culpabilise, mais il faut bien que quelqu'un retourne travailler et puis les enfants doivent retourner à l'école. Oui, oui. Tiens, aide-moi un peu, elle est petite, mais elle est lourde. Allez. Ma puce, mais pourquoi c'est toi qui portes la valise de ta sœur, hein? Non, mais parce qu'elle est adorable et Dieu te récompensera d'être une sœur aussi gentille. Les autres sont manchots ou quoi? André est déjà parti. Et Vanessa va rester là. Qui lui a donné la permission? Comment ça, à qui? Elle m'a demandé à moi et je lui ai dit qu'elle pouvait rester pour soutenir Barbara. Non mais sérieux, de quel soutien tu parles, hein? C'est très malsain, ça. Tu veux te tenir au courant de ce qui mais se passe, hein? Mais enfin, de quoi, hein? Tu parles, oui, José? C'est rien de plus que ce que je te dis. Attends, imagine un peu. S'il trouve le corps, comment va se sentir Barbara? Ils ne trouveront rien. Dieu nous en attention préserve. À ce que tu dis. Dieu nous en préserve. Mais si c'est le cas, ils auront besoin de soutien. Quel corps? J'ai oublié un truc. Vous m'attendez, le corps, hein? Du Christ, ma chérie. Allez, mets ta ceinture. Oui. José, c'est quoi ce choc? Non, ma chérie, c'est quel tout choc? Non, chérie, je n'y crois pas. Mais c'est pas possible, quoi. Tu les autorises à la conduire et après tu me demandes c'est quoi ce attends, choc? Je demande juste ce que c'est, ne t'énerve pas et contre moi, c'est moi ce j'y que suis pour te rien. Dis, enfin. C'est la vérité. Moi non plus, je n'aurais pas prêté, moi. C'est bizarre, non? Comme si on me demandait mon avis. Ça va jusque-là. J'y crois pas, n'importe quoi. Mais ça n'y était pas quand on est arrivé ici. Continue à leur prêter, chérie, continue à leur prêter la voiture. Pénible. C'était bébé. Ça n'y était pas. Ferme la porte, s'il te plaît, du coffre. Oui, quel gentleman. Ferme le coffre. Attendez un moment. Francisco, viens, viens avec moi. Super, viens. On va danser. Ah, c'est génial que tu sois venu. Allez, détends-toi, allez. André? Francisco? Tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. La presse est là pour l'affaire d'Olivia Zamora, non? Tu leur as parlé de cette idée stupide de tueur en série, c'est ça, Marcella? T'avais dit que tu t'en mêlerais pas. Ne le fais pas. C'est toi qui as fait un lien entre ta tante et l'affaire d'Olivia Zamora. Et donc tu as contacté les médias pour faire un scandale avec tout ça. C'était pas moi. J'ai fait l'erreur de parler de ma théorie à Fuentes. Et tu sais comment il aime les ragots. Et il aime être sous les projecteurs. Olivia Zamora est morte noyée, ta tante a été tuée par vengeance. Ces morts n'ont aucun lien entre elles, sache-le. Depuis quand tu viens ici? Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu fais là? Ce lieu ne t'appartient pas. Tu aurais vu ma mère par là? Non. Et je m'en vais là. À plus. Dépêche-toi, Francisco. On s'en va.
Francisco, mon beau, on t'attend, mon chéri. Cours ! Courez ! On y va ! Accélère, accélère ! Allez, dépêche ! Qu'est-ce que t'attends ? Roule ! Tu en veux un autre ? Non, non, elle en veut pas, non. Ton frère m'a dit de pas te laisser trop boire et il va pas tarder à arriver. Oh, mais ça va, je suis pas encore saoule. Alors, tu vas m'en chercher un autre ? Barbara, c'est n'importe quoi. Tu ne vois pas que Raphaël dépense l'argent qu'il n'a pas ? Oh, mais c'est pas ton problème. Au moins, tu ne gaspilles pas ton argent et moi non plus. Barbara, on s'était mis d'accord pour que tu restes à la maison avec Marco. Non, parce que je ne suis pas sa nounou. En plus, on n'a rien à voir avec ces gens. Merci. Quels gens ? C'est ta famille. C'est ton frère. Non, ce n'est plus ma famille depuis que maman a disparu. Toi et moi, on n'a plus rien à faire avec eux. Raphaël est là. Marco va bien, il est avec Lupe. Je suis désolé, Francisco. Bon, écoute, Francisco, qu'est-ce que tu comprends pas ? Gaston n'est pas ton père, accepte-le. Arrête de boire, sérieusement. Bien sûr. C'est ça qui te fait peur ? D'arrêter de recevoir l'aide de Gaston ? Non. Ce qui me fait peur, c'est que la police croit à tes mensonges. Des mensonges ? Ok. Bon, voyons ça. Qui ça ? J'y croyais pas non plus. Olivia a senti ton parfum sur moi aujourd'hui. Il faut qu'on arrête ça. Je ne veux pas que tu reviennes au bureau. Ma secrétaire parle beaucoup avec ta mère. Les textos sont là, je les ai lus. Et c'est bien ton numéro de téléphone. 7, 5, 2 mois ! Ne me crie pas dessus, Francisco. J'apprends que ma sœur a une relation avec mon beau-père et tu es surpris que je m'énerve. Elle m'a harcelé ces deux dernières années et je ne l'ai jamais touché, je le jure. Donc Barbara ment ? Non. Enfin, du moins, pas concernant ce qu'elle ressent pour moi. Mais elle ment sur mes sentiments pour elle. Elle dit qu'elle est amoureuse de moi, mais... Mais moi, je ne ressens rien. Rien du tout. Je n'ai jamais rien fait, crois-moi. Ben non. Non, je te crois pas. Mon grand... Je te le jure, je serais incapable d'être infidèle à ta mère. Tu es répugnant. Pourquoi tu n'as jamais dit à ma mère ce que tu faisais avec Barbara ? Parce que je pensais que c'était des bêtises de gamine capricieuse et que ça lui passerait. Et la nuit ? Avant le mariage ? Elle t'a harcelée aussi ? Tu ne veux pas qu'on se dise adieu en bonne et due forme ? Moi, je suis amoureux de ta mère. Sauf que ma mère ne t'aime pas. Moi, par contre, je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Arrête, je me marie demain. Et j'espère que tu finiras par enfin comprendre qu'il ne se passera rien entre nous. C'est un caprice. Non, ce n'est pas un caprice. Je suis folle de toi. Tu fais une obsession, rien de plus. J'espère bien que ma mère regrettera d'épouser un homme comme toi. Il ne s'est rien passé de plus cette nuit-là. Barbara venait parfois à mon bureau et nous enfermait. Ou elle me faisait du pied sous la table au dîner. Mais je te jure, j'ai toujours été fidèle. Et tu crois que ma mère vous a vu dans la cuisine ? Non, 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 je crois pas. Non, parce que je suis retourné dans la chambre. Il faut se lever tôt demain matin. Nous avons une longue journée devant nous. J'ai peur. De quoi est-ce que tu as peur ? Je voulais dire que je suis nerveuse. Selena est une catastrophe. Je veux qu'elle parte. Selena est une gentille femme. Elle est juste seulement un peu distraite. C'est parce qu'elle est belle. J'ai bien vu comme tu regardais ses jambes. Que tu es mauvaise. Pourquoi j'ai parfois l'impression que tu doutes de notre mariage ? Parce que j'ai peur de perdre ma maison. Toujours la même rengaine. Écoute, Gaston... Tu m'as promis que je ne serais pas obligée de quitter ma maison. Tu m'as promis d'oublier ce projet de centre commercial. Pourquoi tu parles de ça maintenant ? Parce que je sens que ce projet est plus important que moi à tes yeux. Son attitude n'avait rien d'étrange ce soir-là. Elle a même pas mentionné Barbara. Tu es sûr qu'elle n'était pas en colère ? Absolument sûr. Barbara est très perturbée. Elle traverse une mauvaise passe. Mais moi, je suis innocent. Il est joli, non ? Tu crois que je gagnerais combien si je le vendais ? Je vais en avoir besoin, vu que je vais devenir pauvre, ça c'est sûr. Barbara.
Quoi? C'est la vérité. Francisco ne veut pas l'entendre. Sans ma mère, ben, on n'a plus rien à faire avec Gaston. On n'est pas sa famille. Oui, mais Gaston vous aime comme ses enfants, Barbara. Non, il aime seulement Francisco, mais moi non. Et ma tante non plus ne m'aime pas. Oh, ma chérie. C'est la vérité. Bon, mon père m'aime bien, mais apparemment, il ne peut pas nous garder. Ah, et cet imbécile de Raphaël aussi. C'est clair. J'aimais ma mère. Enfin, je l'aime. C'est juste qu'elle ne me comprend pas. Allô? Pourquoi est-ce que tu es parti? Il faut absolument que je te parle. Arrêtez de jouer. Vous voulez quoi? Dis à Olivia qu'elle arrête de se cacher de nous, d'accord? Dis-lui que où qu'elle se trouve, on finira par la retrouver. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Tu sais qu'Olivia n'est pas morte. Qu'est-ce que vous savez? Je sais bien que ta mère est en train de